Hello, tout le monde, c'est Maxime Moulin. On se retrouve pour la suite de Star Wars KOTOR. Et précédemment, on s'était retourné du côté des Vulcains. Et là, on va faire une course. Et j'espère qu'on va réussir parce que j'ai pas envie de durer plus d'une vidéo là-dessus. Hein. Ok, où la balle avec Bebek? Je veux courir contre un mec en tout temps. Quel est le temps à battre? Il est arrivé au plat. Comme d'habitude, il va vouloir poser ses lunettes et tirer dans le décor. Ok, ok. Ouais. Quel est le temps à battre? J'espère qu'on y arrive. Hein. Moi, je vais y arriver du premier coup. Hein. Donc, c'est ça où je recharge. Ouais, il n'y a pas de sauvegarde. Je pense que je vais sauvegarder au début de la course, si c'est possible. Non, c'est pas possible. Alors, vas-y. Voilà. On va essayer de s'en sortir. Ah, ça va encore. Ouais, bon, faut pas que je dise ça parce que sinon ça porte malheur. Je sens qu'on va recommencer la course parce que le temps à battre, ce serait pas ça. Ouais, on va recommencer la course. Bon, alors ça, j'avais pas vu, donc faut appuyer sur A pour accélérer, changer de vitesse. Ok, ça marche. Touk, touk. Allez, c'est parti. Voilà. Bon, on va essayer d'éviter de se cracher. Voilà. Oh putain, mais en fait, ça va, c'était simple. Je fais 29 direct, voilà. Hop, c'est bon, la course est finie. Rassure-moi, faut pas refaire. Sinon, ça va vite me casser les couilles. Je veux qu'une seule fois parce que les courses. Hein. Ouais, je sais, je suis un dieu hein, du joystick. Et arrive et une minute, je crois pas, regarde la table. Mais c'est anglais, j'aurais dû m'en douter. Je vais juste y retourner leur montrer que tu es capable. Oh sérieux, faut encore le battre. Bon alors toi t'es casse-couille. Capable de faire des temps comme le tien, mais dommage, ça n'a pas suffi. J'ai envie de te claquer toi. Eh bah putain de merde. Je dois reconnaître, t'as fait une belle course le bleu, je n'aurais pas pu égaler les tétans. Ok, je vais secouer. Donc l'autre elle est pour les becs. Je sais pas tous massacrer. Ouais. C'est génial, merci votre truc. Ouais, ok. Bon, on va re-sauvegarder une fois et puis on va faire à nouveau cette course et on va, je pense, là, foncer. À fond. Tu t'as crevé parce que là. Ouais. Littéralement. Ouais, bon, on va essayer de battre notre temps. Bon, je. Est-ce que je filme?
Ouais, on va essayer. Si je meurs, eh ben, au pire, on se retrouvera à la fin de mon, à la fin de, du moment où je réussis. Voilà. Et je sauvegarde. J'ai bien sauvegardé, hein. Ouais. Oh putain, je l'ai battu encore mon temps. C'était le temps à battre ou... Est-ce que c'était le temps à battre? Rassurez-moi. Parce que sinon je recharge la partie. Ah, ce temps personne. Tu dois savoir ce qu'il faisait quand il t'a choisi pour tomber. Il reste plus qu'à attendre que le temps soit fusillé pour aller chercher ton fruit. Ah, j'ai vraiment gagné. Oh, bah, putain. Ah, c'est vrai que j'avais pas regardé le temps, nouveau temps à battre, hein, donc voilà, c'est bon. L'autre a pas fait. Ah, on va enfin le rencontrer. Ah, c'est pour ça, il est noir. Démontrant une fois de plus la supériorité du gang des Vulcars sur Taris. Félicitations. Par votre habileté et votre courage, vous avez prouvé que vous étiez le meilleur pilote de fonceur. Vous faites honneur aux Vulcars noirs. C'est donc avec une infinie tristesse que je dois vous informer d'un léger changement à propos du prix offert pour cette victoire. Que voulez-vous dire ? Vous allez très vite comprendre. La femme que j'avais désignée comme premier prix est plus qu'un simple officier de la République. C'est une Jedi. J'ai dû l'équiper d'un collier de disruption neuronale qui la garde dans un état de confusion forcée afin qu'elle ne puisse utiliser la force pour s'enfuir. Il est évident que je ne peux vous la donner. Il serait bien trop dangereux d'avoir une Jedi comme esclave. Mais rassurez-vous. Ok, on te bute. Trouver un autre prix pour récompenser votre victoire. Espèce de vieux fou, je n'ai rien à faire de vos traditions, je représente l'avenir. Si je veux m'approprier le prix et aller vendre cette femme sur le marché aux esclaves, personne ne m'en empêchera. J'ai peut-être mon mot à dire dans cette affaire, Bridgic. Quoi? Ce n'est pas possible. Tu étais bridé par un collier de disruption neuronale. Comment as-tu trouvé la volonté de... C'est une Jedi. Vous sous-estimez la puissance de l'esprit d'un Jedi, Bridgic. Cette erreur vous coûtera cher. Bute-le, bute-le. Vulcar, à moi! Tuez cette femme! Tuez le pilote du fonceur! Tuez-les tous! Bon, je peux sauver... Au secours! Ah, évidemment, j'ai pas mes potes avec moi, là, sur le coup, là. Attends. C'est bon, bon, lui il est pas contre moi non plus. Il y a que l'autre. Putain. Mais je suis pas chaud là à affronter en fait. Je suis pas chaud là. Pas chaud du tout. Je suis pourri au combat. Oh, j'espère qu'ils vont juste pas abuser niveau combat. Je vais déjà mettre soin au cas où. Bon, ça va, elle est douée. Bon, attends, je vais faire une technique très simple. Bon, vas-y. Voilà. Oh, bah ça va, une Jedi avec moi, c'est vrai que ça aide. Bon, les autres se sont barrés. Moi, c'était pas mal, hein. On a buté le machin. Oh, sabre laser à double lame. Ouh, ça c'est génial. Qu'est-ce qu'il foutait avec ça, ce con?
Salut. Peut-être que ces maudits Vulcars y réfléchiront à deux fois avant d'essayer d'emprisonner un Jedi. Quant à toi, si tu espères me récolter comme trophée... Mais... incroyable. Tu es l'un des soldats de la flotte de la République, n'est-ce pas? Oui, j'en suis sûre. Comment t'es-tu retrouvé à faire la course pour ces gangs? Je suis venu ici pour vous sauver. Me sauver? C'est vraiment ce que tu cherchais à faire en participant à cette course? Eh bien, pour un sauvetage, c'est plutôt minable. Au cas où tu n'aurais pas remarqué, j'ai réussi à me libérer de ce collier de restrictions neurales. En fait, t'es badass, Lara. En fait, Croft. On pourrait même dire que c'est moi qui ai sauvé ta vie. Bridget et ses Vulcars t'auraient laissé mourir si je ne m'étais pas interposée. Tu as eu de la chance que je passe par là. Et je peux pas choisir une réponse qui dit que c'est elle. Pff, c'est sympa, quoi. Alors, j'ai la réponse du « va te faire foutre, l'autre nous atteint ». Il y a « je n'ai pas eu besoin de votre aide », ça c'est la réponse connard. Défense jusqu'à mon arrivée. J'étais peut-être prisonnière, mais un Jedi n'est jamais désemparé. Ouais, bah, c'est la réponse à moi, connard. J'ai entendu parler de ce truc qu'on appelle la force. Je ne devrais peut-être pas être si dur avec toi. Tu as essayé de me sauver, même si tout ne s'est pas passé comme prévu. Mettons-nous au travail. Nous ne sommes pas encore hors de danger. Si je dois trouver un moyen... Bon, bah j'ai buté tous les Bex et les Vulcars. J'ai buté tout le monde. D'abord, sommes-nous les seuls survivants de l'Andarspire. Garceau nazi est vivant. Voilà. Enfin, une bonne nouvelle. Car c'est l'un des meilleurs soldats de la République. Il s'est conduit en héros à de multiples reprises. Et il t'a dit de venir me sauver? Je t'ai peut-être mal jugé. Cars ne t'aurait pas demandé de venir s'il n'avait pas confiance en tes capacités. Désolé. En dépit de mon entraînement de Jedi, j'ai tendance à juger un... Allez, on fait l'amour! J'aimerais voir Cars tout de suite, s'il te plaît. À nous trois, nous... Bah, je sais pas où il est passé, hein. Il était avec moi, avant. Les Sith ne réalisent que nous sommes là. Bah, les Sith, j'en ai tué plusieurs. Vas-y, je les emmerde. Dark Mala, que je lui pète la gueule. C'est ton sabre que j'ai récupéré? Moi, je te le donnerai, hein. Parce que moi, j'ai double lame. Et moi, je personnaliserai moi-même mon sabre. Quand le moment sera venu. Mais c'est bien, il y a plein de couleurs différentes. C'est mieux que dans les films, où le seul qui variait... Où le seul qui variait, c'était... l'autre... Samuel L. Jackson qui avait le truc violet. En tout cas, Revan, il est classe. Hein. Tu roules une pelle à Revan ou ça se passe comment? Bastila, vous êtes vivante. Enfin, une bonne nouvelle. Il ne nous reste plus qu'à trouver un moyen de quitter cette planète. Vous voulez dire que vous n'avez pas encore de plan pour quitter Taris? Mais qu'avez-vous donc fait pendant tout ce temps? Oui. Je vois. À présent que je suis à nouveau responsable de cette mission, peut-être allons-nous pouvoir travailler correctement. Notre évasion de Taris se déroulera sans doute mieux que mon sauvetage chez Bredjik. Je sais que tout cela est nouveau pour vous, Bastila. Mais un bon leader ne doit pas réprimander ses troupes sous le simple prétexte que tout ne se passe pas comme prévu. Calmez-vous, s'il vous plaît. Cela ne me paraît pas être une manière appropriée de vous adresser à votre commandant, Kars. Je suis membre de l'Ordre Jedi et c'est ma mission. Ne l'oubliez pas. Ma capacité de méditation de combat a déjà aidé la République à de nombreuses reprises au cours de cette guerre, et elle nous sera utile ici. Je ne remets pas en cause vos compétences, mais elles ne suffisent pas pour diriger une équipe. Vous pourriez commencer par écouter les conseils de ceux qui ont pris part à plus de batailles que vous. Calmez-vous tous les deux, ça ne mène à rien. Oui, tu as raison, évidemment. Je m'excuse, Cass. Voilà, je suis du côté d'Oka, les deux. Je serais heureuse d'écouter vos conseils. Que suggérez-vous que nous fassions? Pour commencer, arrêtons de nous chamailler pour savoir qui commande. On ne s'en sortira que si on travaille en équipe. Ouais, parce que là... Il existe une solution. Il suffit de la trouver. Bien dit, Cass. Plutôt, nous commençons à... Et on sait tous que c'est moi le commandant. J'ai déjà été capturé par... Ou mission. Je n'ai pas envie d'être capturé par... Juste pour faire chier, mission. Tu vois, la plus jeune... Alors, plutôt que commencer à chercher, j'ai des...
Je crois que nous allons avoir besoin d'aide pour quitter Taris. Peut-être qu'un des habitants pourra nous aider. Nous devrions commencer par nous renseigner dans les cantinas. Il y a un problème ? On dirait que quelque chose vous tracasse. Une vision ? Qui représentait quoi ? Vous combattant un Jedi obscur, Evan, il me semble. Étrange. Ce genre de vision trahit souvent une grande sensibilité à la Force. Je ne sais pas vraiment. Peut-être que quelque chose vous unit à la Force. C'est déjà arrivé. Quand nous nous sommes rencontrés, votre talent a peut-être réagi avec ma maîtrise de la Force. Dans l'excitation qui suit le combat, il est possible que la Force vous ait montré un de mes souvenirs particulièrement vivaces. Ok, ça suffit. C'est la première fois que j'ai une vision. On attend. La Force est complexe. Malgré tout l'entraînement que j'ai suivi, je ne la comprends pas toujours. Mieux vaut en parler au maître du Conseil des Jedi. Quand nous aurons quitté Taris, nous pourrons aller consulter le Conseil si vous le souhaitez. Si votre vision a un sens, les maîtres sauront le décrypter. Mais je pense qu'il vaut mieux nous concentrer sur notre tâche pour le moment. Il ne faut pas se laisser distraire. T'es digne d'une Leia, toi. Il y a moyen de quitter Taris. Niveau badassitude. Bonjour. Nouvelle entrée dans le journal. Alors, c'est bon, ça va? Fille de Taris, Arthur et Bastia. Mais il va encore fuir Taris. Pour ça, il va falloir trouver un vaisseau, mais... Ces codes décollage permettant de franchir le blocus posé par la flotte site en orbite autour de la planète. Vous allez probablement avoir besoin de l'aide de quelqu'un pour pouvoir quitter la planète. Vous avez une vision extrêmement violente en faisant la connaissance de Bastia. Ça signifie peut-être que vous bénéficiez d'un lien très étroit avec la Force, mais Bastia n'a pas tenu à spéculer sur le sujet. Sinon, il y a Terre Promise, il faut que je retourne voir le vieux. Je vais essayer de réussir les différents trucs, achat de droïdes et tout. Je vais limite essayer de chercher pour voir ce que je trouve. Ouais. Ils m'ont dit qu'il va falloir vaincre dans la reine pour récolter avant. Ouais, donc je vais essayer de faire ces différents trucs, on va voir. Bon, bref. Ouais, c'est pas mal, hein, on se marre. Hein. Bonjour, ça va tout le monde? Bonjour. Que puis-je faire pour toi? Vous voulez me parler? J'aimerais savoir ce qui s'est passé après ton crash sur Taris. Je me demande ce que vous faisiez, toi et Kars, avant que l'on s'associe. Je me suis libérée toute seule, si je me souviens bien. En fait, si je n'avais pas été là, Bredjik et ses hommes auraient pu te tuer. Il serait donc plus exact de dire que je vous ai sauvée. Je reconnais que je n'aurais peut-être pas pu me libérer sans la bagarre qui a suivi la course de fonceurs. Ouais, c'est vrai, parce que... Je voudrais te remercier pour ça. Ouais, c'est... En fait, c'est précisément ta présence sur ce circuit de fonceurs qui m'intrigue. Cela n'a pas dû être facile de me retrouver. Pourtant, tu y es arrivé. Tu as aussi évité d'être repéré par les Sith, découvert que j'étais prisonnière des Vulcars, trouvé un sponsor pour participer à la course avant de devenir le champion de fonceurs de Taris. Sacré CV. Que voulez-vous que je vous dise? C'est un nom. Oui, je vois que tu es plutôt compétent. Par contre, pour la modestie, lorsque tu as été choisi pour cette mission, je ne pense pas que quiconque se doutait de tes véritables capacités. Un Jedi aurait pu réussir tout cela, évidemment, mais en faisant appel à la Force de manière intensive. Nous autres, ils... Alors, question de... La Force est en chacun d'entre nous. Voilà. Même si chez certains, elle n'est qu'un murmure à peine perceptible. Mais il existe des individus en dehors de l'ordre Jedi que nous qualifions de sensibles à la Force. Il me paraît clair. C'est-à-dire, il la piste à 3 km. Il n'y a pas d'autre explication de tes accomplissements. Même si je ne sais pas trop quoi faire de cette découverte. Peut-être que si tu n'étais pas. Enfin, si tu étais plus jeune, les Jedi auraient pu t'entraîner. Mais là. Ok. Qu'est-ce que vous dire? Je suis désolée. J'ai dépassé mon autorité. Je parle de sujets qu'il vaut mieux laisser au Conseil des Jedi. Pour le moment, contentons-nous d'accepter le fait que tu aies des dons. Avec tes compétences, mon entraînement de Jedi et les talents de nos compagnons, nous trouverons un moyen de quitter cette planète. Ah, nouvelle entrée dans le journal.
Bon, alors Bestia vous a dit que des signes lui indiquent que la force agit à travers vous. Elle n'a pas voulu en tout en dire, expliquant avec ton sujet tout ça. Je remarque qu'avec chacun des membres, on a des discussions comme ça, voilà. D'accord. Et l'autre veut enfin nous parler de son frère. Salut. Je veux te tuer, toi et toute ta famille. Comme vous voulez. Salut toi. Et vous que... vous n'avez rien d'autre à me dire sur vous? Ouais. Bon bah dans ce... Ok. Bon bah est-ce que j'ai des trucs à améliorer? Sabre laser. Ouais. Non. Cristal jaune. Ouais, j'aime pas. Je sais pas quelle couleur je ferais, peut-être du rose, du orange, des trucs comme ça ou du violet. Extrêmement rare et sont associés aux Jedi, ouais. Bah en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, on se rapproche maintenant pour d'autres aventures et en attendant faites caca partout.